Bonjour, je suis Elisa Mazzoli et je suis ravie de vous montrer ce petit livre que j'ai écrit et que Mariana Balducci a dessiné et imaginé à travers les images. Petit pied. Petit pied a grandi. Il va s'éloigner de sa maison. Il va au dehors se promener. Il va faire des rencontres, des découvertes spéciales. Il trouve un caillou. Il trouve une fleur. Et puis il rencontre le chat. Et il marche, marche, marche jusqu'à la mer. Et ça suffit pour l'instant. Je ne veux pas tout révéler maintenant. J'espère que vous le lirez, que vous vous amuserez avec nos livres. Je vous embrasse. Un bisou. Et au revoir dans les livres, parce que c'est vraiment vrai que les petits lisent aussi. Bonjour, je voulais vous remercier pour la sélection de mon livre « Ta petite, ta peta » dans ce prix. Et je voulais aussi vous dire que j'adore le titre de ce prix « Les tout-petits lisent aussi » parce que oui, les tout-petits lisent aussi. Mais surtout, je crois que les tout-petits sont des lecteurs merveilleux, compétents et créatifs. Ils sont très très forts pour repérer dans l'image des choses que vous, adultes, vous n'aurez même pas remarquées, pour faire des associations, pour ramener l'histoire au plus près de leurs préoccupations du moment et aussi pour la jouer et la rejouer. Mais ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous pour lire le texte parce qu'ils ne savent pas encore lire le texte, et ils ont surtout aussi besoin de vous pour partager ce moment, partager cette histoire. Alors profitez-en, profitez de la bulle de ce livre, de ce moment privilégié, hors du temps suspendu, qui dure quelques minutes, on a toujours le temps de lire un livre. Profitez-en pour le faire ensemble, pour lire avec eux, pour partager ce moment, observez-les. Vous verrez, ils sont incroyables, vos tout petits. Je suis très heureuse que ce soit ce livre aussi parce que je l'aime tout particulièrement. J'aime tout particulièrement tous mes livres pour différentes raisons. Mais dans ce livre, j'ai travaillé le rythme et la musicalité du texte. Et ce sont deux choses qui me semblent très très importantes dans un livre pour tout petit. Et aussi parce que ce livre, il raconte un petit message qui dit que qui qu'on soit, quel qu'on soit, grand ou petit, compétent ou pas compétent, doué ou pas doué, on peut toujours faire ensemble, on peut toujours trouver cette façon de faire ensemble. Et je crois que ce ensemble, il est aujourd'hui plus que jamais tellement important. Voilà, j'ai mis tout mon cœur et tout mon savoir-faire dans ce livre. J'espère que vous passerez un bon moment avec ce livre et tous les autres, que vous lirez plein de livres. Je vous souhaite un très 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 bon prix. Et puis peut-être à bientôt. Ciao. Bonjour, je suis Vincent Bourgeot, je suis illustrateur de livres pour enfants. Ça fait pas mal d'années que je travaille, et notamment avec Cédric Ranadier, qui est auteur, avec qui on a réalisé une cinquantaine de livres depuis maintenant une quinzaine d'années. Et parmi tous ces livres, il y a Toc Toc aux mamans, un livre paru à l'école des loisirs donc, et qui a été sélectionné, on a appris ça, par le prix Les tout petits lisent aussi. Voilà, on est vraiment contents, c'est un grand plaisir pour nous d'être dans cette sélection. J'aurais vraiment aimé partager ça avec Cédric. Voilà, je sais pas, ouais, je sais pas ce qu'il fiche, il est... Ah, mais peut-être que... attendez une seconde, je vais essayer. Toc, toc. Ah. Oui. Il est là. Qu'est-ce que tu fais quoi de spécial en ce moment? Ah, mais je lis ce livre, je suis pas sûr, je vous le conseille, c'est un excellent livre, vraiment, je vous le conseille. Super. Bonjour.
l'atelier sage. Donc moi c'est Ariane. Emma. Et voilà, nous voulions vous faire un petit coucou pour vous remercier parce que nous sommes ravis d'avoir notre livre Les mots adorables sélectionné et nous sommes ravis qu'il vous ait plu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce petit livre ? C'est un livre qui met les mots à l'honneur pour les tout bébés, pour les tout petits. Parce qu'on a remarqué avec Ariane que certains mots nous provoquaient des émotions et étaient toute poésie en trois syllabes. Donc on a fait résonner les mots ensemble, on les a associés et ensuite c'en est des images. Mais on a commencé par les mots. Un grand merci. Un grand merci. Et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci à tous. My name's Anna Walker. Thank you for including this little frog in the books that celebrates toddlers reading. Frog says thank you too.